Le public genevois et du monde entier est convié au musée d'art et d'histoire à venir découvrir la richesse du patrimoine archéologique de Gaza. Effectivement, Gaza, on imagine une actualité qui souvent est tragique et on n'envisage à aucun moment la richesse de son passé ni l'ampleur des civilisations qui se sont succédées en ce lieu. Cette exposition présente 530 objets qui reflètent les différentes civilisations rencontrées à Gaza, depuis l'Égypte pré-pharaonique jusqu'au faste du monde grec, qui lui arrive sur la côte palestinienne vers le 6e siècle avant Jésus-Christ, avant de laisser sa place à l'Empire romain, qui est une période de splendeur et de richesse commerciale pour Gaza, tête de ligne pour la fameuse route de l'encens qui amène le poivre et l'encens depuis le Yémen jusqu'à la côte méditerranéenne pour ensuite être diffusée dans l'ensemble du bassin méditerranéen. L'exposition va montrer énormément de témoignages de la vie et de l'architecture chrétienne qui ont été découverts à Gaza. Elle est également très riche en témoignages de l'art islamique. Et cette richesse donc va préfigurer ce que sera le futur musée archéologique de Gaza, dont la construction devrait s'achever en 2016 et qui montrera donc ce qui a été trouvé dans le sous-sol de Gaza.